Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Rivière-du-Loup du 21 février 2022. Il est 20h et nous commençons. Juste quelques petites règles là, pour vous rappeler là, que les consignes sanitaires, malheureusement, vous devez conserver le masque quand vous vous rendez au micro, puis vous pouvez l'enlever rendu au micro. Nous, c'est sûr que moi, vu que je parle, je peux l'enlever, puis Mme Caroline aussi, mais les conseillers et conseillères sont obligés de le garder. Là. On ne sait pas jusqu'à quand ça va être comme ça, mais c'est comme ça. Fait que juste un petit rappel des règles. Fait que je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Fait qu'en 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 7 février 2022. En 4, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2078-2, modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254, afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. En 5, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2084 concernant le code d'éthique et de déontologie révisé 2021 à 2025 des élus. En 6, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2085 constituant le code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Rivière-du-Loup. En 7, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2088 sur la sécurité et la prévention des incendies. En 8, dépôt de la décision du comité de démolition pour le 435 rue Lafontaine. En 9, décision du conseil concernant le plan d'implantation d'intégration architecturale relatif à la démolition de l'immeuble du 435 rue Lafontaine. En 10, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le bâtiment situé au 160 rue Lafontaine. En 11, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le bâtiment du 214-218 rue Lafontaine. En 12, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le bâtiment situé au 566 à 570 rue Lafontaine. En 13, acceptation conditionnelle d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 362 rue Fraser. En 14, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 10 rue Vézina. En 15, rejet d'une demande de modification de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble aux 2 rue du Faubourg. En 16, rejet d'une demande de dérogation mineure pour une construction projetée au 31 rue Alice-Savard. En 17, refus d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le bâtiment situé au 124-132 rue Lafontaine. En 18, approbation d'un contrat de cession intervenir avec Place Le Plateau incorporé. En 19, approbation d'un protocole d'entente tripartite à intervenir avec Touriste Rivière-du-Loup et Espace Centre-Ville. En 20, approbation d'une entente à intervenir avec le Centre Femmes du Grand Portage. En 21, approbation d'une entente de partenariat à intervenir avec la Société d'horticulture de Rivière-du-Loup. En 22, approbation d'une entente relative à un congé sans solde. En 23, approbation d'une lettre d'entente à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, CSN, division Col Bleu. En 24, confirmation de permanence au poste de technicien en informatique. En 25, confirmation de permanence au poste de technicien juridique. 26, création d'un poste de chauffeur à la convention collective du Syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup CSN, division Col Bleu. En 27, adjudication d'un contrat pour le projet Biblio 2010-523-2, fourniture et installation de rayonnage pour la bibliothèque Françoise Bédard. En 28, acceptation d'ordre de changement pour le projet Biblio 2019-01-01, phase 3, bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement. En 29, contribution financière au groupe Scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne incorporé. En 30, nomination d'un maire suppléant et remerciement au maire suppléant sortant. En 31, nomination de représentants au sein du comité consultatif d'urbanisme. En 32, condoléances à la famille de M. Jacques Cottenham. En 33, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive à Rivière-du-Loup. En 34, proclamation de la semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup. En 35, avis de motion et dépôt du règlement 2089 relatif aux honoraires professionnels en ingénierie pour la réfection de la piste et du tarmac à l'aéroport de la ville de Rivière-du-Loup et décrétant une empreinte de 703 653. En 36, avis de motion et dépôt du règlement 2090 décrétant une dépense de 2 187 940 et 800 000 pour la réalisation de travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour l'année 2022. En 37, période de questions. En 38, levée de l'Assemblée. Fait que ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté.
Merci. Point 3, adoption du procès-verbal du 24 janvier, du 7 février 2022. Il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance du lundi 7 février 2022. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 4, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2078-2 modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Alors, je déclare que le règlement 2078-2 a essentiellement pour but de modifier les règlements de zonage et de lotissement, respectivement numéro 1253 et 1254, afin d'ajouter la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Le projet de règlement 2078-2 a été soumis à une période de contestation écrite du 2 au 17 février 2022. Aucune demande n'a été reçue de la part des personnes habiles à voter. Il est par conséquent réputé approuvé. Ce dernier modifie les règlements de zonage et de lotissement de la façon suivante, dans le cadre d'un train semestriel de modification et vise notamment à créer la zone 26 PB, agrandir la zone 18 RB, annuler les zones 10 MA, 10 PA et 107 RA, ajouter des usages applicables à certaines zones, ajouter et modifier les spécifications applicables à certaines zones, modifier les dispositions relatives à l'aménagement des terrains sur l'ensemble du territoire, ajouter des dispositions relatives aux conteneurs sur l'ensemble du territoire, modifier les dispositions relatives aux entrées charretières pour les usages administration publique sur l'ensemble du territoire, modifier les dispositions générales sur le stationnement applicables à la zone 2 MB, modifier les dispositions relatives au nombre de cases de stationnement pour le groupe d'usage hôtellerie sur l'ensemble du territoire, modifier les dispositions relatives à l'emplacement des aires de stationnement sur l'ensemble du territoire, modifier les dispositions relatives aux projets intégrés à la gestion de leurs droits acquis sur l'ensemble du territoire, modifier la largeur minimale d'emprise applicable à la zone 17 PB. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement 2078-2 ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques par téléphone au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@commercialvillerdl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication des avis publics requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Nous allons donc procéder à son adoption. Attendu que ce conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Attendu l'avis de motion donné le 13 décembre 2021. Attendu le contexte pandémique, l'Assemblée publique de consultation a été remplacée par une consultation écrite qui s'est déroulée du 5 au 24 janvier 2022, inclusivement, conformément à l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021 et à l'avis public publié le 5 janvier 2022. Attendu qu'à la suite de cette consultation, ce conseil ne désire apporter aucun changement aux dispositions proposées dans le projet de règlement. Attendu que le second projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu que le projet de règlement a été soumis à une période de contestation écrite du 2 au 17 février 2022 et qu'aucune demande n'a été reçue de la part des personnes habiles à voter, attendu qu'à la suite de ces consultations, ce conseil ne désire apporter aucun changement aux dispositions proposées dans le projet de règlement, attendu que ce règlement est maintenant réputé approuvé par les personnes habiles à voter. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le règlement numéro 2078-2 du 21 février 2022, modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254, adopté le 28 août 2000, afin d'ajouter la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Bien, écoutez, je ne referai pas toute la nomenclature. Là, on l'avait présenté, effectivement, le 13 décembre dernier. Fait qu'en gros, là, c'était vraiment pour l'implantation de la nouvelle école. C'est là qu'il y avait eu beaucoup de modifications. Là, on avait créé une zone, on avait comme annulé des zones, c'était là. Au niveau des stationnements, là, bon, on parlait dans l'hôtellerie. Exemple, c'est parce qu'il y avait une problématique. On disait que ça prenait un véhicule par chambre dans les hôtels. Ça veut dire que quelqu'un, mettons qu'il y avait une suite, des hôtels qui auraient eu des suites, qui avaient deux chambres, ça aurait pris automatiquement deux stationnements par chambre, par suite, si on veut. Mais on prétendait aussi, puis les hôteliers disaient, bien, écoutez, des fois, on loue la suite, mais les deux chambres, ils arrivent dans le même véhicule. Tu sais, ce sont quatre personnes qui arrivent dans le même véhicule. Donc, pourquoi vous obligez deux stationnements par suite? Fait que c'est, entre autres, c'était ça, mais on l'avait fait la présentation là, le 13 décembre dernier. Fait que je ne reviendrai pas tout pour l'expliquer. On l'avait fait à ce moment-là. Point 5, déclaration de la greffière adoption du règlement 2084 concernant le code
Oh, ça se peut-tu que je n'ai oublié? Non, c'est correct. C'est beau. Oui, c'est bien ça. OK. Déclaration de la greffière d'adoption du règlement 2084 concernant le code d'éthique et de déontologie revisé des élus 2021 à 2025. Alors, je déclare que l'adoption du règlement 2084 vient répondre aux exigences prévues par l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui prévoit que le conseil municipal doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé afin de remplacer celui en vigueur. Il inclut également les modifications imposées à la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, soit le projet de loi 49, sanctionné le 5 novembre 2021. Le code révisé reprend les 6 valeurs prévues à la loi qui serviront de guide aux élus municipaux. Il s'agit de l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil. Il détermine les valeurs sur lesquelles les membres du conseil fondent leurs décisions, établit les normes de comportement favorisant l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision et dans leur conduite, prévient les conflits d'éthique et, s'il en survient, aide à résoudre efficacement et avec discernement et assure des mesures d'application de contrôle aux manquements déontologiques. À cet égard, on y énonce les règles de conduite qui guideront les élus dans l'exécution de leurs fonctions et les objectifs visés par ces règles en matière de conflits d'intérêts, d'utilisation des ressources de la municipalité, d'utilisation de communication de renseignements confidentiels, d'abus de confiance et d'après-mandat. Ces règles ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Finalement, il reprend les mécanismes de contrôle et de sanctions mis de l'avant par le législateur en cas de non-respect des règles établies par le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le conseil municipal doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur. Attendu que la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, soit le projet de loi 49, sanctionné le 5 novembre, prévoit des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale devant être intégrées au code d'éthique et de déontologie de la Ville. Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées, attendu l'avis de motion, le dépôt du projet de règlement lors de la séance du 7 février 2022, en conséquence, les proposer et appuyer que ce conseil adopte le règlement 2084 du 21 février 2022 concernant le code d'éthique et de déontologie révisé 2021-2025 des élus de la Ville de Rivière-du-Loup. Édith Samson propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Mais en fin de compte, de toute façon, là, c'est le code d'éthique. S'il y a des gens qui veulent le voir, il est disponible. Mais c'est bien important. Là, c'est les 6 valeurs que Maître Desjardins a énumérées tantôt. On parle d'intégrité, de prudence dans la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du conseil, les employés de la municipalité, le citoyen, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité puis l'honneur attaché aux fonctions de membre de conseil, c'est les 6 valeurs qu'on a. Fait que si des gens que ça les intéresse, une petite lecture de chevet avant de dormir, on pourra vous en faire une copie. Le point suivant, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2085 constituant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Rivière-du-Loup. Alors, je déclare que le règlement 2085 est adopté pour conformer le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Rivière-du-Loup aux obligations prévues par la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, le projet de loi 49, sanctionné le 5 novembre 2021. En somme, le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Rivière-du-Loup est modifié afin d'introduire dans les valeurs de la municipalité, en plus du respect, la notion de civilité. Au point 5.4 sur les conflits d'intérêts, on vient ajouter qu'un employé ne peut recevoir une marque d'hospitalité ou un avantage, quelle que soit sa valeur, d'un fournisseur de biens ou de services, et celle-ci est précisée. Le règlement 2085 modifie et remplace le règlement 1774 du 26 novembre 2012 et ses amendements constituant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Rivière-du-Loup. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Nous allons donc procéder à son adoption. Attendu que la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, projet de loi 49, sanctionné le 5 novembre 2021, prévoit des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale devant être intégrées au Code d'éthique et de déontologie de la Ville.
Attendu que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées, attendu qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 février et que la motion a été donnée au cours de la même séance, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le règlement numéro 2085 du 21 février 2022 constituant le code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Rivière-du-Loup. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 7, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2088 sur la sécurité et la prévention des incendies. Alors, je déclare que le règlement 2088 a pour but de remplacer le règlement 1916 du 26 juin 2017 et ses amendements concernant la prévention des incendies et d'amender le règlement 1879 du 12 septembre 2016 concernant la tarification de certains services de la ville. En ce sens, le règlement se veut une mise à jour complète de l'ancien règlement en fonction des normes actuelles et des cas vécus sur le terrain. De prime abord, il inclut dans son titre la notion de sécurité et non exclusivement la prévention des incendies. Ainsi, il édicte les pouvoirs de l'autorité compétente, les normes externes et autres normes applicables. Une section est également dédiée au permis ainsi que la responsabilité et les infractions. Plus spécifiquement, le règlement prévoit qu'il est désormais nécessaire d'obtenir un permis pour l'utilisation de feux d'artifice offerts en vente libre et il impose aux vendeurs de feux d'artifice l'obligation de procéder à de l'affichage informatif en ce sens. Il inclut également la possibilité de prolonger la durée de validité d'un permis et il uniformise les conditions d'interdiction de feux extérieurs. Entre les dépôts du projet de règlement et son adoption, le règlement a fait l'objet d'une légère modification dans la définition d'autorité compétente afin qu'elle comprenne le directeur du service de sécurité incendie ainsi que tout membre au sein du service afin de faciliter l'application du règlement. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et des frais relatifs aux permis et aux amendes, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Nous allons donc procéder à son adoption, attendu que la Ville a adopté le règlement 1916 du 27 juin 2017, lequel concerne la prévention d'incendie, qui a lieu de le modifier et de le remplacer. Attendu que le Code de sécurité du Québec, chapitre 8, bâtiment, et le Code national de prévention des incendies, Canada 2010, modifié, permettent à toute municipalité d'apporter des modifications à cette réglementation dans la mesure où les règles sont identiques, complémentaires ou plus contraignantes que celles édictées par la norme de référence. Attendu que la Loi sur les compétences municipales, notamment ses articles 6 et 62, accorde à la Ville le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité. Attendu que les exigences formulées par le présent règlement ou celles de l'autorité compétente déterminent, en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés par ce dernier, sont établies pour la sécurité du public en fonction de la prévention des incendies. Attendu qu'aucun droit acquis ne peut avoir pour effet d'empêcher l'application d'une quelconque disposition du présent règlement, et ce, pour garantir la sécurité des personnes. Attendu qu'il y a également lieu d'amender en conséquence le règlement 1879 du 12 septembre 2016 concernant la tarification de certains services de la Ville et ses amendements. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 7 février 2022 qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le règlement 2088 du 21 février 2022 concernant la sécurité et la prévention des incendies. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Bien, écoutez, le seul commentaire que je pourrais vous faire là-dessus, là, c'est ce qui est important maintenant, c'est pour les feux d'artifice. On a eu, là, au cours des dernières années, des plaintes à la Ville. Il y avait des gens dans différents quartiers de la Ville qui faisaient péter des feux d'artifice, là, puis on recevait des plaintes parce que, tu sais, t'entendais ça péter à 2 heures de la nuit, là. Fait que là, désormais, pour faire des feux d'artifice sur des terrains privés, ça va prendre un permis. Puis les vendeurs aussi qui vont vendre ces feux d'artifice-là, il va falloir qu'ils l'affichent puis qu'ils avertissent le client que... Tu peux t'en servir, mais ça n'a pas un permis de la Ville. Fait que il y a ça, entre autres, là-dedans, là, qui ressort le plus dans la modification de la réglementation. Fait qu'au point 8, dépôt de la décision du comité de démolition pour le 435 rue Lafontaine. Alors, je vais faire la lecture de la décision du comité de démolition qui a été prise le 21 février 2022 concernant la demande d'émission d'un permis de démolition pour l'immeuble situé au 435 rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Donc, c'est un dépôt de la décision du comité de démolition. Attendu que le comité de démolition a reçu une demande de permis de démolition le 15 novembre 2021 concernant l'immeuble situé au 435 rue Lafontaine. Attendu qu'à la suite de la demande, un avis public de démolition a été publié le 1er décembre 2021 dans le journal Info Dimanche et affiché devant l'immeuble. Attendu que, suivant la publication de l'avis public, des oppositions ont été transmises à la greffière de la Ville. Attendu que les membres du comité de démolition ont pris connaissance de la demande de démolition du 435 rue Lafontaine lors d'une rencontre tenue le 14 décembre 2021 et qu'ils n'ont pas pris de décision lors de cette rencontre, considérant les avis d'opposition reçus. Attendu qu'une audition publique s'est tenue le 11 janvier 2022, au cours de laquelle le comité de démolition a pris en considération les commentaires reçus du public.
Attendu qu'en considération des mesures sanitaires en vigueur, l'audition publique a été accompagnée d'une consultation écrite du 22 décembre 2021 au 11 janvier 2022. Tandis que, selon les rapports des professionnels déposés par le propriétaire, l'immeuble du 435 rue Lafontaine n'est pas dans un état pour recevoir un nouveau projet commercial. Tandis que, selon les 10 rapports, l'intégrité du bâtiment est affectée et sa structure est détériorée. Tandis qu'au cours des dernières années, différents travaux ont été effectués sur le bâtiment, lesquels n'ont pas conservé les éléments patrimoniaux et architecturaux de l'époque. Tandis que l'immeuble n'a plus la valeur caractéristique architecturale attendue vu la détérioration de l'apparence architecturale et du caractère esthétique du bâtiment. Tandis que l'immeuble a été laissé à lui-même pendant plusieurs années, tandis qu'aucun élément architectural d'époque n'est viable, tandis que l'état du bâtiment ne donne pas une valeur ajoutée au milieu environnant, tandis que les membres du comité sont conscients de la valeur historique du bâtiment, tandis que le bâtiment s'est engagé à rappeler le dossier historique du bâtiment à l'intérieur de son nouveau projet, tandis que le promoteur et propriétaire de l'immeuble voisin situé au 433 rue Lafontaine, autrefois le restaurant chez Antoine, tandis que le promoteur veut intégrer à son projet l'immeuble du 433 rue Lafontaine, lequel possède une haute valeur patrimoniale et qu'il désire investir et conserver ce bâtiment afin d'en assurer sa pérennité, tandis que le nouveau projet du bâtiment du 435 rue Lafontaine semble bien s'intégrer et être en harmonie avec l'immeuble voisin du 433 rue Lafontaine, tandis que le nouveau bâtiment reprendra les mêmes volumétries et les caractéristiques du bâtiment existant, tandis que le promoteur veut conserver la canopée, notamment les espaces verts et arbres sur la propriété, tandis que l'immeuble est abandonné depuis quelques années, tandis que l'immeuble n'est plus chauffé et qu'il y a des risques éventuels d'infestation de vermine et de risque d'incendie, tandis que le comité est préoccupé par l'impact du refus de la démolition et considérant que l'immeuble à l'abandon ne semble pas avoir reçu d'intérêt depuis plusieurs années, tandis que le comité craint qu'à long terme, cet immeuble perde complètement l'intérêt des promoteurs d'investir et qu'une telle situation serait problématique pour le centre-ville, tandis que la rénovation du bâtiment entraîne des coûts astronomiques et n'aura pas les résultats escomptés, tandis que le projet de reconstruction du promoteur est porteur pour le centre-ville et aura des impacts économiques substantiels pour cette section du centre-ville, tandis que dans le présent cas, le logement actuellement inoccupé n'est pas un critère qui a été pris en considération par les membres du comité, tandis qu'à la suite de l'audition publique, malgré la réception des oppositions écrites à la démolition, les commentaires verbaux reçus lors de l'audition publique semblent être favorables à la démolition du bâtiment, tandis que le nouveau projet devra faire l'objet d'une autorisation en vertu du règlement 1260-2 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le centre-ville de Rivière-du-Loup. En conséquence, les proposés par André Beaulieu et appuyé par Steve Drapeau, on s'entend que je relate la décision du comité démolition, que le comité démolition autorise la démolition pour l'immeuble situé au 435 rue Lafontaine, que nonobstant la décision du comité démolition, aucun permis de démolition ne pourra être délivré par un inspecteur en bâtiment avant l'expiration du délai d'appel de 30 jours ou avant que le conseil municipal n'ait rendu une décision advenant un appel de la dite décision, que nonobstant les décisions ci-dessous mentionnées, aucun permis de démolition ne pourra être délivré par un inspecteur en bâtiment avant l'expiration du délai de 90 jours pour l'intervention de la MRC de Rivière-du-Loup ou du ministère de la Culture et des Communications, s'il y a lieu. Fait qu'on va passer le point 9 parce que c'est en lien, puis après ça, on va donner un petit peu là, les directives qu'il y aura suite à cette annonce-là, si, pour la période d'audition, puis de si les gens veulent se prévaloir de le droit de dire qu'ils sont contre la décision. Mais écoutez, on va passer le point 9, puis on va faire un petit retour là-dessus. Fait que le point 9, décision du Conseil concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la démolition de l'immeuble du 435 rue Lafontaine. Donc, attendu les rapports des professionnels sur l'état du bâtiment du 435 rue Lafontaine, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la démolition de l'immeuble du 435 rue Lafontaine, attendu que ce conseil reconnaît la valeur historique du bâtiment du 435 rue Lafontaine, attendu que ce conseil juge les usages institutionnels et commerciaux autorisés par la Ville au fil des décennies ont dénaturé la vocation résidentielle originale du bâtiment du 435 rue Lafontaine, tandis que ce conseil juge que dans l'état actuel du bâtiment du 435 rue Lafontaine et selon les caractéristiques de son milieu d'insertion, un retour du bâtiment à sa vocation résidentielle originale n'est pas souhaitable. Tandis que ce conseil juge opportun, juge, pardon, que la valeur
La vacance des immeubles du centre-ville sur de grandes périodes est un scénario à éviter pour des motifs d'hygiène et de sécurité publique. Attendu que ce conseil juge que le projet de réaffectation du sol proposé par le propriétaire est porteur de dynamisme pour le centre-ville et que ce dernier s'intègre harmonieusement au cadre bâti de ce secteur de la rue Lafontaine. Attendu que ce conseil juge que le projet de réaffectation du sol proposé permet d'assurer la pérennité du bâtiment jumeau du 433 rue Lafontaine. Attendu que le nouveau projet devra faire l'objet d'une autorisation en vertu du règlement 1260 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le centre-ville de Rivière-du-Loup. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, malgré la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la démolition de l'immeuble du 435 rue Lafontaine, que nonobstant la présente décision du conseil municipal, aucun permis de démolition ne pourra être émis par un inspecteur en bâtiment avant l'expiration du délai d'appel de 30 jours. De la décision du comité de démolition avant que le conseil n'ait rendu une décision advenant un appel de la décision du comité de démolition, que nonobstant les décisions ci-dessus mentionnées, aucun permis de démolition ne pourra être émis par un inspecteur en bâtiment avant l'expiration du délai de 90 jours pour l'intervention de la MRC de Rivière-du-Loup ou du ministre de la Culture et des Communications, s'il y a lieu. Je vais prendre un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. André Beaulieu propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Fait que dans le fond, il reste encore des étapes là, avant d'aller à la démolition, si on veut. Là. Fait que premièrement, toute personne qui s'oppose à cette décision peut interjeter en appel devant le conseil municipal, puis ça, c'est d'ici le 24 mars. Dans un tel scénario, le conseil a l'obligation de convoquer une audition avec le ou les demandeurs et ensuite de maintenir la décision du comité de démolition ou encore de la renverser, ce qui viendrait annuler la demande. Cette décision finale, le cas échéant, est irréversible. Par ailleurs, le dossier doit être transmis à la MRC, comme mentionné dans les entendus que, et au ministère de la Culture et des Communications, qui ont 90 jours pour intervenir. Faute de quoi, la demande de démolition est réputée approuvée et valide, et le permis est émis par un inspecteur en bâtiment et en environnement. Donc, c'est sûr que si les gens ne sont pas d'accord avec la décision du comité de démolition, ils ont jusqu'au 24 mars pour se faire entendre. Puis Maître Desjardins pourrait ajouter, là, c'est des communications écrites... Oui, en fait, s'il y a des gens qui veulent porter en appel à la décision du comité de démolition, bien, ils doivent me transmettre un avis par courrier recommandé, donc un avis motivé avec les motifs qui justifient, dans le fond, leur désaccord par rapport à la décision du comité de démolition. Donc, suivant la réception d'un avis d'appel, comme c'est mentionné dans le règlement, bien, le conseil, dans le fond, va convoquer, dans le fond, une audition, puis les gens vont être avertis là, de la date et de l'heure de l'audition, en fait, de l'appel là, qui aura lieu éventuellement, là, advenant un avis d'appel. Merci. Point 10. Approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour le bâtiment situé au 160 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 22 décembre 2021, Mme Caroline Saint-Pierre, propriétaire du bâtiment situé au 160 rue Lafontaine, présentait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, afin qu'elle soit autorisée à réaliser un affichage par enseigne projective. Attendu qu'en date du 8 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatives à l'affichage. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 8 février 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par Mme Caroline Saint-Pierre pour le bâtiment situé au 160 rue Lafontaine concernant l'affichage par une enseigne projective. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, pour vous situer, là, c'est la boutique au cœur des artisans qui se trouve au coin des rues Lafontaine et du Rocher. En 11, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le bâtiment du 214-218 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 3 janvier 2022, Mme Alexandra Cloutier, propriétaire du bâtiment situé au 214-218 rue Lafontaine, présentait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, afin qu'elle soit autorisée à réaliser le remplacement de deux fenêtres. Attendu qu'en date du 8 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatives à la restauration, la rénovation ou la réparation de bâtiments existants. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 8 février 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par Mme Alexandra Cloutier concernant le remplacement de deux fenêtres sur le bâtiment situé au 214-218 rue Lafontaine.
Nelson Lepage propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Merci. Pour vous situer aussi, là, c'est l'immeuble là, qui habite, si on veut, Moisan Fleuriste. En 12, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le bâtiment situé au 566 à 570 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 28 janvier 2022, Mme Sophie Marceau de Sophie Marceau des Angles, mandatée par le propriétaire du bâtiment situé au 566 à 570 rue Lafontaine, présentait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA afin que le propriétaire soit autorisé à réaliser la rénovation de la façade latérale nord. Attendu qu'en date du 8 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatives à la restauration, la rénovation, la réparation de bâtiments existants. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 8 février 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par Mme Sophie Marceau de Sophie Marceau Design concernant la rénovation de la façade latérale nord du bâtiment situé au 566 à 570 rue Lafontaine. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Pour vous situer aussi, là, c'est un immeuble qui est situé entre le Fred Délice et la quincaillerie Chartier. Là. Puis pour les plus vieux un petit peu, là, il y avait le coiffeur, le Claude Pelletier, qui a été là, là pendant plusieurs années. Point 13, acceptation conditionnelle d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 362 rue Fraser. Attendu qu'en date du 26 janvier 2022, Mme Phyllis Cis, propriétaire du 362 rue Fraser, déposé au comité consultatif d'urbanisme une demande d'autorisation dans le cadre du site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice pour l'immeuble situé au 362 rue Fraser afin qu'elle soit autorisée à procéder au remplacement d'une porte et de deux fenêtres. Attendu qu'en date du 8 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter conditionnellement la demande déposée puisqu'elle respecte les dispositions contenues au règlement 1387 relative à la restauration des bâtiments anciens du site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 8 février 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accorde la demande d'autorisation dans le cadre du site du Vieux-Saint-Patrice de Mme Phyllis Cis concernant le remplacement d'une porte et de deux fenêtres de l'immeuble situé au 362 rue Fraser, conditionnellement à ce que les fenêtres soient en bois. Nelson Lepage propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est une maison là, qui est située Fraser, là, avant d'arriver au golfe, du côté nord, si on veut, un peu avant le parc de l'Amitié. Là. C'est une maison qui est située dans ce secteur-là. En 14, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 10 rue Vézina. Attendu qu'en date du 31 janvier 2022, Mme Élise Valran, architecte chez les architectes Goulet et Lebel Incorporé, mandatée par le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup, présenté au comité consultatif d'urbanisme une demande d'autorisation visant la troisième phase des travaux de rénovation patrimoniale sur le bâtiment situé au 10 rue Vézina et la réalisation d'un aménagement paysager. Attendu qu'en date du 8 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter la demande puisqu'elle respecte les dispositions contenues au règlement 1598 constituant le site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Ludger. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 8 février 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve la demande de réalisation de la troisième phase des travaux de rénovation patrimoniale et d'aménagement paysager de l'école La Croisée, un situé au 10 rue Vézina, situé à l'intérieur du site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Ludger, selon les plans déposés. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 15. Rejet d'une demande de modification de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble aux 2 rue du Faubourg. Attendu qu'en date du 31 janvier 2022, M. Julien Miville déposait une demande de modification du projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un immeuble PPC-moi du 2 rue du Faubourg, autorisé par la résolution 557-2019 du 9 décembre 2019, afin d'ajouter un bâtiment de 6 logements pour atteindre un total de 30 logements sur la copropriété. Attendu qu'en date du 8 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable à la demande de modification du PPC-moi, considérant que la préservation des arbres matures situés en bordure du boulevard Cartier n'est pas assurée en raison de la circulation anticipée de la machinerie lors de la réalisation des travaux de construction, considérant la proximité du bâtiment projeté avec le système racinaire des 10 arbres matures.
Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, rejette la demande de modification du projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, du 2 rue du Faubourg, autorisé par la résolution 557-2019 du 9 décembre 2019, invite le promoteur à réviser l'aménagement du projet de façon à garantir la préservation des arbres matures situés en bordure du boulevard Cartier. Carl Thériault propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Fait que dans le fond, là, c'est situé au coin du boulevard Cartier et du Faubourg. Là, il y a quelques années, là, c'est ça, c'est en 2019, il y avait eu des blocs appartements qui s'étaient logés dans cette section-là. Là, le promoteur revient, il y a une partie du terrain qui pourrait être utilisée pour faire la construction d'un autre 6 logements. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas nécessairement contre. Là, l'endroit où ce qu'il veut aller, on dit pas optimal, fait qu'on l'invite justement à regarder s'il peut pas faire autrement. Mais c'est un dossier qui va sûrement nous revenir au CCU là, dans les prochaines semaines. Mais on demande au promoteur de regarder comme il faut s'il n'y a pas une autre place sur le site qui pourrait le faire pour protéger effectivement les arbres. Au point 16, rejet d'une demande de dérogation mineure pour une construction projetée au 31 rue Alice Savard. Attendu qu'en date du 31 janvier 2022, Mme Patricia Lagacé et M. Steven Tremblay déposaient une demande de dérogation mineure pour une construction projetée au 31 rue Alice Savard afin d'implanter le bâtiment à 2,11 mètres et à 2,80 mètres des lignes latérales des propriétés, alors que les marges de recul latérales de la zone concernée sont établies à 2 mètres et à 5 mètres, ce qui représente un empiètement de 2,2 mètres dans la marge de recul ouest. Attendu qu'en date du 8 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable à la demande de dérogation, car l'application du règlement de zonage ne cause pas un préjudice sérieux aux demandeurs, étant donné qu'il est possible de construire sur le terrain visé les types de constructions autorisées dans la zone. Toutes les alternatives de construction n'ont pas été envisagées avant de procéder par dérogation à la disposition normative concernée. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, rejette la demande de dérogation mineure pour la construction projetée du 31 rue Alice Savard. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Fait que dans le fond, écoutez, c'est une maison qui n'est pas encore construite. Fait qu'on, au CCU, on se dit que les gens sont sûrement capables de faire une modification un peu des plans pour que ça rentre sur le terrain. T'sais, ils se sont achetés un terrain. Fait qu'on on présume qu'ils sont capables de faire les modifications avant la construction parce qu'elle n'est pas faite encore. Fait que c'est ça qu'on présume. Fait qu'ils pourraient effectivement corriger le plan puis pouvoir l'intégrer là, sans modification. Le 17, refus d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour le bâtiment situé au 124-132 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 27 janvier 2022, Mme Mérédith Beaulieu-Gagnon, locataire du bâtiment situé au 124-132 rue Lafontaine, présente au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA afin qu'elle soit autorisée à réaliser de l'affichage par une enseigne projectée. Attendu qu'en date du 8 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil de rejeter le plan déposé puisque le projet ne respecte pas les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatives à l'affichage. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 8 février 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, rejette le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par Mme Mérédith Beaulieu-Gagnon concernant l'affichage par une enseigne projective sur le bâtiment situé au 124-132 rue Lafontaine. Invite la demanderesse à déposer une nouvelle demande selon les conditions suivantes, dans un souci d'harmoniser les matériaux et de respecter les objectifs et les critères du PIA du centre-ville, soit conserver l'enseigne actuelle et modifier le choix de la potence pour qu'elle ressemble davantage à celle qui la supportait au 232 rue Lafontaine, soit conserver la potence existante sur le 124-132 rue Lafontaine et procéder à l'installation d'une nouvelle enseigne qui s'harmoniserait davantage avec la structure déjà en place. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un bâtiment qui est situé en face du parc Blais. C'est la nouvelle relocalisation, si on veut, du commerce Le Vent Fou. Fait qu'on dit à la dame, écoutez, déjà, il y avait une enseigne. Dans le fond, elle avait récupéré l'enseigne du Le Vent Fou, mais la potence qui était sur le bâtiment du 332 La Fontaine se marierait mieux, si on veut, avec le bâtiment là, du 124-132, parce que présentement, elle veut intégrer la fiche dans la potence qui est déjà là, puis ça fonctionne comme pas. Fait qu'on demande à la dame de refaire un petit peu ses devoirs puis de représenter une autre demande au CCU. Monsieur le maire, pour les points 18 et 19, je me retire pour des raisons d'affaires. Ça marche, Monsieur Drapeau. Le point 18, approbation d'un contrat de cession à intervenir avec Place Le Plateau Incorporé.
Il est proposé et appuie que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement et de la greffière, approuve le projet de contrat annexé à la résolution et intervenait avec place le plateau incorporé concernant la cession, notamment d'une partie de l'asset des rues des plateaux, Stanislas Bell et Alice Savard, et autorise le maire et la greffière à signer le dit contrat pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Bien, c'est comme il se fait régulièrement. Ça, il y a des cessions de rues qui se fait le promoteur quand le développement est terminé. Après quelques années, cède les rues à la Ville. La Ville, dans le fond, a les frais de notaire, là, les honoraires qui sont reliés à ça, puis c'est ce qu'on a à payer. Le point 19, approbation d'un protocole d'entente tripartite à intervenir avec Tourisme Rivière-du-Loup et Espace Centre-Ville. Donc, il est proposé et appuie que ce conseil sur la recommandation du directeur du service technique du développement économique, approuve le protocole d'entente tripartite annexé à la résolution intervenant avec Tourisme Rivière-du-Loup et Espace Centre-Ville afin de confirmer la collaboration et l'engagement de la Ville à la réalisation du plan d'action de l'organisme et de prévoir les versements d'aide financière annuelle de 75 000 $ pour les années 2022, 2023 et 2024 et autorise le maire et le directeur général à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Je vais attendre M. Drapeau. Fait que dans le fond, bien, c'est une entente, l'espace centre-ville, c'est 75 000 par année pour les trois prochaines années, comme on a fait pour les années dernières. L'année passée, on voit que ça a bien été, fait qu'on s'attend là, à de nouvelles, si on veut, activités ou autres sur notre rue La Fontaine. Le point 20, approbation d'une entente à intervenir avec le Centre Femmes du Grand Portage. Il est proposé et appuie que ce conseil, sous la recommandation du comité chargé d'analyser les demandes déposées dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes sociaux communautaires, approuve la lettre d'entente annexée à la résolution à intervenir avec le Centre Femmes du Grand Portage relative au versement annuel d'un montant correspondant à 50 % du coût de la compensation financière tenant lieu de taxes foncières pour les années 2021, 2022 et 2023 et autorise la gestionnaire aux équipements et programmes communautaires à signer la dite entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, c'est un montant de 606 $ et 61 sous par année pendant 3 ans, qui représente là, 50 % là, si on veut, de la taxe foncière. Le 21, approbation d'une entente de partenariat à intervenir avec la Société d'horticulture de Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce conseil approuve l'entente d'un partenariat annexé à la résolution à intervenir avec la Société d'horticulture de Rivière-du-Loup relative à la prise en charge de la gestion administrative des jardins collectifs et communautaires de Saint-François et de Bellevue et autorise le directeur du service des loisirs, culture et communautaires à signer la dite entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Fait que c'est une entente, là, c'est 1536 $ pour l'année 2022. C'est une entente qui est renouvelée à tous les ans. Puis juste pour votre information, là, en 2021, c'était 1500 $ qu'on donnait. Là. Ça faisait plusieurs années qu'on donnait 1500 $ Fait qu'on a donné une petite indexation là, de 36 $ là, pour l'année 2022. En 22, approbation d'une entente relative à un congé sans solde. Il est proposé et appuyé que ce conseil approuve l'entente annexée à la résolution et la demande de congé sans solde de l'employé numéro 3055 qui autorise le directeur général à signer celle-ci pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un congé sans solde de 4 semaines. Là. C'est pas très long. Point 23, approbation d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, CSN, division Col Bleu. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de la directrice du service des ressources humaines, approuve la lettre d'entente 2022-03 annexée à la résolution à intervenir avec le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, CSN, division Col Bleu, et l'autorise à signer la dite entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, ce que je peux vous dire là-dessus, bon, ça concerne deux cols bleus. C'est un ajustement d'échelon là, en reconnaissance de leurs compétences. Fait que c'est ce qu'on fait, là, c'est ce qui était prévu de pouvoir faire. Fait que c'est ce qui va être appliqué. Là. C'est l'entente, dans le fond, c'est pour ces deux cols bleus-là. En point 24, confirmation de permanence au poste de technicien en informatique. Attendu que la période d'approbation de M. Mathieu Moret arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le directeur du service des technologies de l'information et des communications démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de technicien en informatique, attendu que la période d'approbation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de sa fonction
et de ses responsabilités. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de la directrice du service des ressources humaines, confirme la permanence de M. Mathieu Moret à titre de technicien en informatique au service des technologies de l'information et des communications à compter du 25 février 2022 et ce, conformément aux dispositions de la convention collective de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup, FISA. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Bon, pour M. Moret, comme je vous disais, là, quand c'est des employés syndiqués, je ne peux pas vous dire le salaire qu'ils gagnent. Par contre, l'information que je peux vous donner, c'est que M. Moret est un col blanc. Est dans la classe 2. La classe 2 comporte 8 échelons qui sont de entre 27 et 88 à 38 et 72 $ de l'heure, qui représentent un salaire annuel de 50 741 à 70 000 $. C'est ce que ça représente. Le point 25, confirmation de permanence au poste de technicien juridique. Attendu que la période de probation de M. Marc-Antoine Rioux arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par la directrice du service des ressources la directrice du service du greffe et des affaires juridiques démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de technicien juridique, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de sa fonction et de ses responsabilités. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de la directrice du service des ressources humaines, confirme la permanence de M. Marc-Antoine Rioux au poste de technicien juridique au service du greffe et des affaires juridiques à compter du 11 mars 2022, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup, FISA. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. C'est la même chose pour M. Rioux. En fond, technicien juridique, c'est un col blanc. C'est une classe 3 qui comporte 8 échelons de 27 $9 à 37 $62, qui représente un salaire annuel là, de 49 300 $ jusqu'à 68 400 $. Le point 26, création d'un poste de chauffeur à la convention collective du syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup CSN, division col bleu. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de la directrice du service des ressources humaines, procède à la création d'un poste de chauffeur au service technique et de l'environnement en date des présentes et que ce poste soit intégré à la convention collective du syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup CSN, division col bleu. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Bon, deux petits points rapides d'info. Pour ceux qui se souviennent, à la séance du 25 octobre 2021, on avait fait l'abolition de 3 postes de col bleu. Puis je vous avais mentionné à ce moment-là qu'on abolissait les postes pour se donner du temps pour réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait avoir de besoin dans le futur. On est rendu là. On avait aboli les postes parce que dans la convention collective, il est prévu que s'il n'y a pas personne sur le poste, on a un certain délai pour pouvoir y afficher. Donc, on avait dit on va les abolir. Fait qu'on avait fait ça dans les règles de l'art, comme on dit. Fait que là, on arrive présentement en février, puis on se dit bien, on a besoin de réafficher un poste. Dans le fond, c'est pas un nouveau poste, là. C'était des postes qu'on avait abolis en attendant. Fait que là, on arrive à l'étape qu'on affiche un poste de chauffeur. En plus, cet employé-là, dans le fond, c'est une... comment je dirais bien ça? C'est un employé qui était affecté à une autre tâche, puis ses conditions de santé ne permettaient plus d'effectuer la tâche qu'il avait avant. Donc, on le réintègre dans ce poste-là. Puis on a ce devoir-là aussi de faire là, quand quelqu'un est plus capable de répondre aux besoins de la tâche, puis on est capable de l'intégrer dans un autre poste, bien, c'est ce qu'on fait. Fait que c'est ce qu'on fait avec cet employé-là. Puis juste pour votre information, là, c'est un col bleu. C'est une classe 7. Il y a 7 échelons qui sont de 20,67 à 29,53 qui représentent un salaire annuel de 42 900 $ jusqu'à 61 400 $. Fait que le point suivant, le point 27, adjudication d'un contrat pour le projet Biblio 2010-723-2, fourniture et installation de rayonnage pour la bibliothèque Françoise Bédard. Attendu les critères contenus au document d'appel d'offres, Biblio 2010-723-2, fourniture et installation de rayonnage pour la bibliothèque Françoise Bédard. Attendu que suite à l'ouverture des soumissions, une soumission a été déposée par JGF Installation Incorporée, laquelle est conforme en tout point aux exigences techniques des documents d'appel d'offres. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de la bibliothécaire, accepte la soumission de JGF Installation Incorporée au montant de 278 500 $ taxes sensu, selon les taux contenus au bordereau de prix pour le projet Biblio 2010-723-2, fourniture et installation de rayonnage pour la bibliothèque Françoise Bédard, et autorise la bibliothécaire à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Point 28, t'acceptes. Monsieur le maire, oui. Pour le point 28, je me retire pour des raisons d'affaires également.
Ça marche, merci. Acceptation d'ordre de changement pour le projet Biblio 2019-01-01, phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de l'ingénieur adjoint du service technique et de l'environnement, accepte les ordres de changement ci-dessous mentionnés de construction béton 4 saisons incorporée pour le projet Biblio 2019-0101 phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Donc, l'ordre de changement 3, daté du 2 décembre 2021, au montant de 48 854,73 taxes sus, et l'ordre de changement 4 du 7 février 2022, un montant de 107 341,68 taxes sus. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, l'information que je vais vous donner, écoutez, je vais faire ça le plus rapidement possible. Là. Le point 3, là, il y a plusieurs directives de changement, si on veut, là, pour le montant total de 48 854 $, là. Je vais vous faire, écoutez, il y a des modifications de mobilier et d'affichage pour personnes avec déficience visuelle, modification de l'emplacement des portes et des murs dans le local 015. Le local qui est existant, il n'était pas comme dans les plans de l'époque. Tu sais, des fois, quand ils défont des choses, ils s'aperçoivent que dans les plans antérieurs, c'était pas tout le temps énuméré de cette façon-là. On parle là, d'ajout de tables allongées dans les toilettes, dans la salle électrique, la modification du local pour la salle électrique, c'était pas conforme à ce moment-là aux normes de dégagement. Configuration d'une toilette universelle 203. Dans le local 203. On parle aussi d'ajout de cabinets sur les unités de chauffage puis la climatisation. Modification de quincaillerie à la porte principale, remplacement des rails et des lampes pour l'éclairage. Écoutez, il y a différentes petites choses comme ça. Là. Déplacement de conduit de gicleur au pourtour de la toile tendue ou les œuvres d'art. C'est des montants là, qui varient, je vous dirais, pour arriver à un total de 48 000, là, puis il y a peut-être une douzaine d'ordres de changement. Là. Puis l'autre, dans le 107 341, il y a un gros, là, il y a un 100 000 vraiment qui est là. C'est que dans le fond, c'est pour faire un mur coupe-feu, bien, je dirais plus un plafond coupe-feu, là, entre le plancher du troisième puis le plafond du deuxième étage. C'est de créer une séparation coupe-feu entre les deux niveaux. Ces travaux-là n'étaient pas prévus au contrat parce que ça a été découvert, la problématique a été découverte quand ils ont défait, si on veut, les plafonds. Fait que c'est une structure de plancher qui était faite en bois. Fait que pour les normes incendies et tout ça, fait qu'il faut qu'ils mettent l'isolant puis mettent, si on veut, là, justement, du gibroc supplémentaire. Fait que c'est là vraiment, là, dans le 107 000, là, il y a 100 000 qui est juste pour ça. Le restant, là, c'est des meubles de rangement, c'est des petits trucs comme ça. Mais en gros, là, c'est pour l'ordre de changement, c'était ça. Puis juste pour votre information, écoutez, on avait des frais de contingence là, qui étaient prévus au projet d'autour de 710 000. Présentement, on a utilisé autour de c'est 430 000. Donc, il restera un montant d'à peu près pas loin de 280 000 de frais de contingence. Là, on voit que le projet avance quand même assez bien. On a bon espoir de pouvoir rentrer dans les chiffres. Mais écoutez, je ne ferai pas de promesse à personne. Là. On suit ça de proche. On s'attend que ça devrait rentrer, mais on verra à la finalité des choses. Mais ce que je peux vous dire, le dossier avance bien. Puis pour le moment, ça se comporte de belle façon. Le point 29, contribution financière au groupe Scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne incorporé. Il est proposé et appuyé que ce conseil, en contrepartie des services rendus par l'organisme, autorise le trésorier à verser une somme de 1 896 $ au groupe Scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne incorporé, à titre de contribution financière pour l'année 2022. Steve Drapeau propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Merci. Point 30, nomination d'un maire suppléant et remerciement au maire suppléant sortant. Il est proposé et appuyé que ce conseil désigne le conseiller M. André Beaulieu à titre de maire suppléant pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022 et qu'il soit désigné pour agir comme substitut du maire au sein du conseil des maires de la MRC de Rivière-du-Loup durant cette période en cas d'absence de ce dernier, de son incapacité, de son refus d'agir ou de vacance de son poste et qu'il remercie le maire suppléant sortant, M. Steve Drapeau, pour sa disponibilité et sa collaboration dans l'exécution de ses fonctions au cours des quatre derniers mois. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Oui, effectivement. Merci à Steve là, pour les quatre derniers mois. Puis bienvenue, M. Beaulieu. Je vais essayer de ne pas trop être tannant. Là, puis, point 31, nomination de représentants au sein du comité consultatif d'urbanisme.
Il est proposé et appuyé que ce conseil, conformément aux dispositions du règlement 1222 du 13 septembre 1999, constituant le comité consultatif d'urbanisme, CCU, nomme pour siéger au sein du comité représentant des citoyens résidents pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, mesdames Heidi Pomerleau et Sophia Thompson et messieurs Peter Grand et Maxence Lenoir, représentants des gens d'affaires et citoyens résidents, sous la recommandation de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, monsieur Danny Dumont. Que cette résolution modifie et remplace à toute fin que de droit à la résolution numéro 051-2022 du 7 février 2022 sur le même sujet. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Écoutez, pour vous dire, on a reçu 14 candidatures. C'est sûr que c'est pas les élus. Là, on n'était pas sur le comité de sélection. Il y avait des experts, là, plus que nous, là, qui ont fait l'analyse des dossiers. C'est sûr qu'il y a des dossiers qui n'étaient pas complets. Il y a d'autres qui étaient complets, effectivement. Puis il y avait des belles candidatures. Fait qu'il y a eu 14 candidatures, puis il y a deux personnes qui ont été retenues. Dans le fond, Mme Pomerleau, M. Grant avaient déjà été nommés au préalable. Fait que les nouvelles personnes qui vont se greffer, si on veut, au CCU, c'est Mme Sophia Thompson et M. Maxence Lenoir. Au point 32, condoléances à la famille de M. Jacques Cottenham. Il est proposé et appuyé que ce conseil transmette ses plus sincères condoléances à Mme Marie-Josée Dubé et M. Simon Cottenham, ainsi qu'aux membres des familles Cottenham, Dubé et Nadeau, à la suite du récent décès de M. Jacques Cottenham, lequel a travaillé pour la Ville à titre d'opérateur au service technique et de l'environnement de 1998 à 2019. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Point 33, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive à Rivière-du-Loup. Attendu que le 13 mars 2022 est la première Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Attendu que le 13 mars 2020, date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec pour cause de menaces graves à la santé de la population que constituait la pandémie de la COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la Société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Attendu que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Attendu qu'il a été démontré que par leurs initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes et concitoyens. Attendu que le mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lanceront le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Attendu que le mouvement de la Santé mentale Québec offrira, au cours de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisables tout au long de l'année. Attendu que dans le contexte de pandémie, les individus, les organisations et les collectivités ont besoin plus que jamais de soutien pour favoriser la santé mentale. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil proclame verbalement la journée du 13 mars 2022, journée nationale de la promotion de la santé mentale positive à Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Oui, je proclame la journée du 13 mars 2022, journée nationale de promotion de la santé mentale positive à Rivière-du-Loup, et invite toutes les citoyennes et tous les citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de notre municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Le point 34, proclamation de la semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup. Attendu que le Club Optimiste tiendra sa semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup du 20 au 26 février 2022, attendu que le Club Optimiste profite de cette fenêtre pour souligner l'implication et la réussite de plusieurs jeunes de notre milieu, tant sur les plans scolaires, sportifs, culturels que social. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup se fait un devoir de s'impliquer pour souligner l'importance de la réussite chez nos jeunes. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 20 au 26 février 2022, semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Oui, effectivement, je proclame la semaine du 20 au 26 février 2022, finalement cette semaine, semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup, et remercie les membres du Club Optimiste de Rivière-du-Loup pour leur implication auprès des jeunes de notre milieu. Au point 35, avis de motion et dépôt du règlement 2089 relatif aux honoraires professionnels en ingénierie pour la réfection de la piste et du tarmac à l'aéroport de la Ville de Rivière-du-Loup, décrétant un emprunt de 703 653 $. Madame Chantal Amstad.
Attendu l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement numéro 2089 relatif aux honoraires professionnels en ingénierie pour la réfection de la piste et du tarmac à l'aéroport de la ville de Rivière-du-Loup et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2089 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, Chantal. Le point 36, avis de motion et dépôt du règlement 2090 décrétant une dépense de 2 187 940 et 800 000 $ pour la réalisation de travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour l'année 2022, M. Nelson Lepage. Ah oui, M. le maire, attendu l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Nelson Lepage, dépose devant ce Conseil le projet de règlement numéro 2090, décrétant une dépense de 2 185 940 $ et un emprunt de 800 000 $ pour la réalisation de travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour l'année 2022 et donne avis de motion qu'une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Projet de règlement 2090 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci, M. le maire. Merci, M. Lepage. Fait qu'avant d'aller à la période de questions, on fera un petit tour de table. Mme Sanson, avis. Aviez-vous un petit quelque chose? Oui, Monsieur le maire, j'aimerais souligner que vous étiez également présent à cette conférence de presse-là le 14 février, puisque le conseil d'administration de la maison L'Autre Nid a fait une conférence de presse annonçant la levée de fonds, mais je tiens surtout à souligner que la mission de l'organisme La Maison L'Autre Nid est de favoriser l'épanouissement et l'intégration des personnes autistes en leur offrant un milieu de vie stable et adapté à leur autonomie, qu'il y aura des pièces qui seront dévolues pour des chambres pour héberger les jeunes adultes atteints d'autisme, mais également des moments de dépannage pour les parents dont les enfants sont atteints d'autisme. Donc, j'incite, c'est un très, très beau projet, oui. Puisque c'est une première, je dirais pas au Québec, mais il y en a très, très peu. Mm-hmm. C'est une première au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, donc dans notre région. Et si les gens veulent supporter le conseil d'administration pour cette belle réalisation qui, la maison de l'Autre Nid, sera située, comme on le sait, au presbytère Saint-François. Donc, une nouvelle vocation d'une bâtisse qui oui. a aidé plusieurs personnes au fil des décennies. Effectivement, une belle conférence de presse, un projet porteur pour notre région, puis en même temps, bon, ben, on fait une réhabilitation, si on veut, de bâtiment, qui est le presbytère Saint-François, fait que je pense que c'est gagnant-gagnant. Monsieur Lepage. Je n'ai pas grand-chose, sauf peut-être un point personnel, c'est que du 24 février aller jusqu'au début d'avril, là, je ne serai pas disponible et je ne serai pas là et non disponible pour cause de maladie. Alors, si jamais les citoyens de mon district Saint-Patrice ont des doléances, soit la direction générale, soit par le système de requête, soit par téléphone au 862-21-21. Alors, je vais revenir au début avril. Pas de problème. Puis écoutez, on est là aussi, là, les conseillers municipaux, ainsi que moi-même, là, on va être à la tâche, si on veut, s'ils ont besoin, les citoyens, de ne pas gêner. Là. M. Lepage, effectivement, va être absent un petit peu, mais nous, on est là. Fait que M. Drapeau? Vous avez volé mon idée, M. Ah oui? Ah. Et, c'est ça, on est là pour prendre les appels pour M. Lepage, puis écoutez, on vous souhaite bonne chance. Merci. C'est beau. Chantal? Tout est beau pour moi, M. le maire. C'est bien. M. Thériault? Oui. Je m'offre aussi pour donner un coup de main à l'absence de Nelson, bien sûr, comme tous les autres. Mais je voudrais profiter de ce court moment là, pour souligner les excellents résultats des étudiants et des étudiantes du cégep de Rivière-du-Loup relativement au dernier palmarès des cégeps publiés en fin de semaine dans les quotidiens de Québécois. Pour ne citer que quelques-uns de ces résultats, le cégep Loupard-Rivoire obtient des deuxièmes places
parmi plus d'une quarantaine d'établissements là, en comptabilité et gestion. Nous ne sommes pas la capitale des PME pour rien, c'est un reflet direct. Et aussi une autre deuxième place en éducation à l'enfance, un quatrième rang en informatique, en arts, lettres et communication. C'est donc le résultat du travail des étudiants et des étudiantes, bien sûr, du corps professoral, la direction du cégep et aussi de l'ensemble du personnel. Donc, félicitations. Merci, M. le maire. Plaisir, M. Beaulieu. Rien de spécial. Parfait, merci. Fait qu'on serait rendu à la période de questions. On va commencer avec les périodes de questions qui sont en lien avec l'ordre du jour. Si vous avez des questions, bien, le micro est à vous. Non, ni un, c'est parfait. Fait qu'on irait comme ça, on passerait tout de suite à l'autre étape. Toute autre question que l'ordre du jour? Pas de questions non plus? M. Michaud? Non? Tout est beau? Monsieur le maire, j'en ai reçu par courriel. OK. Bien là, on va... Bien, c'est correct, monsieur. Tu l'as gassé, mais... Effectivement, là, vu qu'on est retour en présentiel, on va avoir une formule. C'est les gens, s'ils ont des questions, bien, dans le fond, ils ont le loisir de se présenter ici. Fait que je pense que ça sera ça l'idéal pour l'avenir. Avant le COVID, c'est ce qu'on faisait. On prenait pas des questions par courriel. Fait que là, on redevient un petit peu plus à la normale. Donc, les gens se présenteront ici. Mais là, si vous n'avez, il n'y a pas de problème. On va tenter de... Je pense que c'est l'occasion d'annoncer aux gens qu'on revient à la formule précédente. Donc, les questions se prendront en salle. Mais pour l'instant, effectivement, j'en ai reçu 4 qui étaient hors ordre du jour. Donc, okay. Je vais commencer par la première qui nous vient de M. Daniel Levasseur, qui nous demande où on est rendu dans le dossier du 77 rue des Jonquilles, d'un dossier poursuite là, contre M. Lévesque. Écoutez, je peux donner l'information. Le procès a eu lieu le 12 au 14 janvier dernier. Les plaidoiries sont fixées en mars 2022 et le jugement à recevoir devrait être suivi à l'intérieur des 6 mois suivants. Je ne sais pas si Maître Desjardins avait des choses à ajouter. Vous avez bien résumé, là, M. Lagacé. Merci. L'autre question de M. Daniel Levasseur. Bonsoir. Comment se fait-il qu'il y a eu une dérogation de taxe pour l'acquéreur de la maison des sœurs Clarisse? Et lorsque le propriétaire du salon 600 demande l'annulation des intérêts et des pénalités pour le paiement de ces taxes, lui sont refusés 2 poids et 2 mesures. Les sœurs Clarisse, bien, c'est pour le nouveau projet. Parce que c'est sûr que les sœurs Clarisse, de mémoire, ils ne payaient pas de taxes. C'est ça, c'est peut-être plus administratif. Oui, OK, pas de problème. Donc, effectivement, le bâtiment des sœurs Clarisse n'était pas taxable. Mm. Par contre, ils versaient ce qu'on appelle des compensations financières tenant lieu de taxes foncières. Dans le cadre du projet d'une coop d'habitation qui s'appelle Athéna, effectivement, la ville de Rivière-du-Loup a accepté... que la ville émettrait un crédit de taxe, ou c'est-à-dire qu'il serait non taxable, et c'est fait en vertu de la loi sur les compétences municipales. Dans un projet de logement social, la ville peut faire ce genre de choses-là. Dans le cas du salon 600, évidemment, la loi interdit l'annulation d'intérêts et de pénalités. Une ville ne peut pas annuler des intérêts et pénalités sur une taxation, puis on comprend pourquoi. Si on commence ça pour un, il faudra le faire pour l'ensemble des autres. Donc, c'est interdit par la loi. Troisième question, toujours de M. Daniel Levasseur. À l'article 11 de la réunion 7 février 2022. Comment la Ville de Rivière-du-Loup justifie de reprendre les commandes de ses usines de traitement des eaux potables et usées avec un coût supplémentaire de 130 000 $ par année lorsque le sous-traitant pour la Ville fait très bien sa job car il a remporté un prix provincial dernièrement? Bien, je pense que c'est sûr qu'on a répondu un peu à ces questions-là. Je pense que l'objectif, quand on a fait notre conférence de presse et qu'on l'a présenté à la population, notre séance, c'était de dire oui, on sait qu'il y a un coût supplémentaire de 130 000 $ mais l'enjeu n'était pas là. L'enjeu était plus au niveau, justement, de rapatrier à l'interne une expertise qu'on avait perdue au cours des dernières années. Pour les citoyens de Rivière-du-Loup, là, ceux qui étaient là il y a une douzaine d'années passées, si on recule de plus de 12 ans, bien, la gestion, le traitement des eaux était fait à la ville de Rivière-du-Loup par des employés de la ville. On se rendait compte avec le temps qu'on devenait un peu, comment je dirais bien ça, on était tributaire, si on veut, d'un contractant avec nous. Fait qu'on perdait d'expertise. Là, présentement, à la ville de Rivière-du-Loup, il y a une personne qui a
les qualificatifs, si on veut, puis l'expérience de la gestion des eaux, qui est Mme Geneviève Pigeon. Puis on se disait, bien, écoutez, s'il nous arrive quelque chose, bien, si elle tombe malade, bien, il faut qu'il y ait une suite à ça. Fait que là, c'est pour ça que l'importance de le ramener à l'interne, mais ça n'enlève rien à ce que la compagnie faisait à Aquatech avec la ville de Rivière-du-Loup. On fait un bon service, mais par contre, on a prouvé aussi qu'il y avait un taux de rotation quand même assez énorme au sein de l'entreprise. Au cours des 12 dernières années, on a changé, je pense, c'est 26 fois de personnel en 12 ans. Fait que d'assurer une pérennité, d'avoir une sécurité à offrir ce service-là, pour nous, ça devenait un peu inquiétant. Mais c'est la raison pour qu'on l'a fait. Écoutez, je comprends là, que c'est 130 000 $ de plus. Mais par contre, on persiste à dire que la qualité de l'eau, le traitement des eaux, les eaux usées, c'est hyper important en 2022, comme ça a toujours été. Fait que c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Fait qu'on pense qu'à long terme, on va être gagnant de le faire, puis c'est pour ça qu'on le fait. Puis en passant, M. Levasseur, là, on n'a pas décidé ça là, en l'espace de quelques jours. Là, les travaux se sont faits, là, les analyses depuis avril 2021, que nos équipes à l'interne ont commencé le processus de regarder le pour, le contre. Puis nous, ça nous a été présenté aux élus, c'était en septembre 2021. On a demandé à notre équipe administrative de refaire, d'aller en appel d'offres, faire des comparaisons, effectivement, pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner sur le marché. Puis on s'aperçoit que malgré tout, on est mieux de le ramener à l'interne. J'ai une dernière question de M. Levasseur qui vient de rentrer. J'ai vérifié sur le site Internet de la Ville vers 19h20 ce soir s'il était possible de participer à la réunion en présentiel. Sur le site de la Ville, c'est encore marqué de façon virtuelle. Que fait le responsable de ce département? Ça donne bien, il est là ce soir. J'ai. Si on oublie, bon, écoutez, on s'excuse et on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Ouais. Il y a juste ceux qui font rien, qui font pas d'erreur, mais bon, c'est peut-être... On va se reprendre pour une prochaine. On oublie. J'en ai reçu une autre, c'est-à-dire elle est en quatre parties, elle nous vient de M. Roger Plante. Le don de 250 000 $ de Doris Dickner va bientôt servir à démolir l'intérieur de l'ancien presbytère de Saint-François qui est intact et date de plus de 100 ans. L'émission Star Academy est tournée dans un ancien presbytère. J'ai aussi proposé un projet de columbarium dans le presbytère. Est-ce que la Ville peut faire un effort pour trouver un bon projet au lieu de détruire ses opportunités futures? Bien, écoutez, je veux féliciter puis remercier M. Dickner. Là, 250 000 $, c'est pas rien. Je pense pas que c'est... Tu sais, on parle de détruire. Je pense plutôt qu'on va construire une maison pour les autistes. C'est un projet porteur. Écoutez, M. Plante, tu sais, c'est compliqué de dire comment je voudrais bien... Tu sais, oui, aussitôt qu'on rentre dans un bâtiment comme ça, il y a des modifications à faire, c'est bien évident. On ne peut pas conserver l'intégrité intérieure comme elle est là. C'est sûr qu'il va y avoir des choses, je pense, qui vont le conserver un petit peu, mais juste les remises aux normes. Tu sais, fait qu'on parle possiblement de gicleurs, là, puis écoutez, je ne suis pas ingénieur, puis je suis pas architecte, là, mais je suis convaincu qu'un bâtiment qui va abriter des gens, des jeunes autistes, autant que ce soit les RPO, peu importe, il y a des normes à respecter, puis c'est ce qui va se faire. C'est un projet porteur. Bien, ce qu'il disait, c'est dans la fin de la question, là, Je reviens. C'était quand même long. Il dit, est-ce que la Ville peut faire un effort pour trouver un bon projet au lieu de détruire ses opportunités futures? Bien, écoutez, je pense que la Ville, là-dedans, a toujours accompagné les gens qui avaient des projets. L'Autheny, là, c'est pas du nouveau, là. Moi, j'ai entendu parler de ça, c'est en 2016, ça fait 6 ans de ça. De faire des columbariums là-dedans, ça devient un bâtiment public en même temps. Il y aurait une remise aux normes qui serait à faire, puis je suis pas certain que le bâtiment pourrait rester exactement comme il est là. Je pense que la seule chose qui pourrait être faite, si on veut le conserver comme ça, ça serait de ramener des prêtres à l'intérieur, puis c'est à peu près tout, là. Mais écoutez, moi, je pense que la Ville a toujours collaboré, puis si ce projet-là est là, écoutez, ça fait 6 ans, je pense que les gens qui avaient de l'intérêt à faire d'autres choses, ils auraient pu se manifester aussi. En complément, c'est juste à peu près sur la même question. Vous avez déjà commencé à répondre. Le presbytère n'est pas un bâtiment sécuritaire pour accueillir des personnes autistes pouvant avoir des problèmes de mobilité. La MRC et la Ville seraient-elles prêtes à soutenir financièrement ou par un don de terrain un projet d'hébergement des personnes autistes si ce projet se réalisait dans une maison éco-énergétique neuve, sécuritaire à 100 % construite sur un seul étage et respectant toutes les normes modernes? Mais ça, je vois deux volets à ça.
Le bâtiment, il va devenir sécuritaire. Ça, je suis pas mal convaincu de ça. Puis deuxièmement, s'il y a un autre projet, à un moment donné, que, mettons, la maison Loutenay dit, bon, on a 8 personnes qui sont là, on aurait besoin de 10 supplémentaires, c'est sûr, M. Plante, que la Ville puis la MRC, on va écouter les projets. Là. C'est clair que s'il y a un autre projet, on va les écouter. Puis si on peut faire quelque chose, on va le faire. Les lois sur le patrimoine ne datent pas d'hier. Les municipalités peuvent protéger le patrimoine depuis 1985 et il continue quand même de disparaître. La Ville avait le pouvoir de protéger l'intérieur du presbytère, mais ne l'a jamais fait. Elle n'utilise même pas les outils à sa disposition. Est-ce que la Ville emploie un professionnel comme la MRC qui se consacre à conseiller la Ville sur la protection du patrimoine bâti? Bien, écoutez, puis vous me corrigerez, là, mais c'est sûr qu'à la Ville de Rivière-du-Loup, on a une dame qui s'appelle Julie Martin qui a une préoccupation, effectivement, des bâtiments patrimoniaux. Quand on avait adopté le règlement, ou c'était pour 2008, je pense, que à ce moment-là, c'était pas permis. On pouvait protéger l'extérieur, la coquille extérieure du bâtiment. Par contre, c'était pas prévu qu'on pouvait le faire pour l'intérieur. Ça a été modifié, je pense, en 2012. Mais effectivement, la Ville l'a pas fait. Tu sais, bien... À travers tout ça, je pense qu'il est important, c'est la conservation aussi extérieure. Je comprends que l'intérieur, mais un bâtiment patrimonial là, qui a 100 ans ou peu importe, aussitôt qu'on parle d'une reconversion, d'une requalification ou peu importe, c'est sûr que l'intérieur devient, par le fait même, plus bien conforme à une nouvelle réglementation à la Régie du bâtiment du Québec. Donc, il y a des modifications à faire. On ne peut pas le laisser dans l'intrigualité, à moins, comme je vous dis, que le presbytère, on ramène des prêtres là. Peut-être qu'on pourrait laisser ça comme ça, mais sinon... Puis je pense qu'au cours des années, la Ville croit son patrimoine. On a investi quand même des sommes majeures là, à l'église Saint-François. Écoutez, j'avais fait sortir des chiffres un peu là, parce que ça m'interrogeait aussi, mais au cours là, des 10-12 dernières années, là, soit en main-d'œuvre ou autre, là, pour l'église Saint-François en particulier, on a quasiment 100 000 $ de mis. Fait que c'est sûr qu'on attend un projet porteur, puis jamais la... T'sais, si jamais il y a quelque chose, là, moi, je sais qu'avec la corpo de sauvegarde, si on veut, là, il me parle de projet, bien, c'est sûr qu'on va être là et on va les écouter. Là. Mais c'est à peu près ça. Là. Dernière question. Les élus passent, le patrimoine doit rester. À Rivière-du-Loup, la stratégie des architectes est de faire oublier la valeur patrimoniale pour mieux démolir. Quand cela va-t-il s'arrêter? M. Bastille est élu depuis 8 ans. Les élus sont gardiens du patrimoine. Quand allez-vous vous comporter en conséquence? Bien, écoutez, je vais faire du pouce ce que je viens de dire. On a racheté le manoir Fraser. À la rénovation du manoir Fraser, oui, il y a eu des partenaires privés qui ont été impliqués là-dedans. La Ville a été impliquée là-dedans. On considère que c'est important parce qu'on a acquéri le manoir. Donc, pour nous, le patrimoine est important aussi. Par contre, à un moment donné, c'est juste d'avoir le moyen de nos ambitions. On peut bien sauver l'Église ou autre, mais écoutez, je pense qu'on se comporte du mieux qu'on peut avec les sommes d'argent qu'on peut avoir dans ce cas-là. Mais comme je disais tantôt, là, d'entrée de jeu, si on a mis 100 000 $ dans l'Église Saint-François au cours des 10 dernières années pour justement trouver une nouvelle vocation, c'est parce qu'on croit au bâtiment. Puis là-dedans, là, c'était pas de le démolir, là, bien loin de là. C'était justement de trouver quelqu'un qui pouvait l'occuper puis de le conserver le plus possible, mais... On fait ce qu'on peut, M. Plante, avec ce qu'on a. Merci, M. le maire. Je n'ai pas d'autres questions. Bonne fin de soirée à tout le monde. Bien, merci bien. À la prochaine. Bien, merci à tous. Bonne fin de soirée.